Je suis un parasecte manipulé par une secte. Allez, oh. Yo la Yoshi Family, c'est Yoshikire, bienvenue dans ce 8ème épisode de Pokémon Ultra Blanche 2. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette ultra règle ultra dangereuse qui est poison fatal. Et quand j'entends ça, moi j'entends... C'est Fatal Bazooka. Bref, allez c'est parti, let's go. Alors l'équipe n'a... pas trop progressé, j'ai juste pris les deux combats qui traînaient là et juste en bas. Et sinon, non, j'ai pas fait grand chose. On va commencer directement par un combat double à vue d'œil. Nous sommes pas dans une nouvelle zone, non, donc toujours pas de nouveau Pokémon. Et donc, c'est parti pour un petit combat double. C'est antique, j'adore l'antiquité. Vestiges, je te dis, ce sont des vestiges. Très bien, mais ne vous énervez pas. Ok, les jumelles Rimeléa. Rimeléa, Tritosaur et... Oh, Ronflex. Ok, niveau 21, bon, ça devrait passer large. Donc j'ai mis devant qui Pouquet et Croqui Junior. Donc Pouquet, hein, lors de l'épisode précédent, m'a fait tellement vendu du rêve que voilà, je l'ai mis en tête. Et puis voilà, alors c'est parti pour t'humilier sur le Ronflex. Et on va faire un colère random avec Croqui Junior. Comme ça, on verra bien. Marteau bois. Ça va, je l'encaisse bien. C'est pas très efficace. Coup critique. Il y a le contre-coup. L'irruption, par contre, qui risque de pas être très kiffant car ça touche les deux. Il y a peut-être Croqui Junior. Il a mal. Ok, il attaque le Ronflex. Très bien. Ok, c'est pas très efficace. Tunnelier. Donc ce Ronflex ne craint... Ah bah il craignait le sol, très bien. Oh mon dieu. La tempête de sable continue. Oh putain, on va perdre Croqui Junior. Non, pas dès le début. Que doit faire Pouquet? Le Hickok c'est que sur moi-même, bien sûr, ouais. Du coup on va faire le tunnelier sur le Tritosaur. Et... putain, on perd Croqui Junior. Non. Non, 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 non. Oh putain, merde. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de perte. Putain. Ok, c'est pas très efficace, tunnelier. Il craint quoi, il craint quoi? Alors, on va envoyer, du coup... attends, éruption. On va envoyer Rasta Rocket. Rasta Rocket qui va lui faire les fesses. Voilà, en termes de vitesse, je crois que je suis meilleur. Donc, on va faire Hickok, on va se soigner avec... Pouquet, et du coup on va faire un petit lamointe sur le Tritosaur. Allez, refait l'éruption comme d'hab. Putain, il fait mal ce Tritosaur. Et on perd pas Pouquet, ça serait... Non, c'est bon. Allez, le lamointe qui va faire du bien. Ouais, c'est super efficace Tritosaur. Et que... oh. Bon, on a déjà un mort, hein. Ah, c'était pourtant antique. Mais si je te dis que c'était un vestige. On repart 336 Poké-Dollars. Et un mort. Donc oui, cet épisode commence super bien, dis donc. Donc oui, j'ai fait un petit tour au centre Pokémon. Donc il y a eu un petit Pocket. Non, 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 c'est bon. J'ai pas envie de me faire agresser une seconde fois. On voit tout flou. Est-ce qu'on peut aller par là? Désert délaissant. Donc nouvelle zone. Donc on va pouvoir remplacer ce cher petit... Croqui Junior qui est décédé. Si on arrive à avoir un Pokémon de zone, ça serait bien. Je crois qu'on a une deuxième zone en plus dans le coin. Allez, descends du vélo, s'il te plaît. Oh, on a encore un combat double là-bas, super. Donc, on va essayer de capturer le Pokémon de zone déjà. Allez, viens. Voilà, on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, celui-là, il a déjà son surnom d'assuré. Et ça sera un Krabos. Ok, Krabos versus Pouquet. J'ai pas envie de le tuer avec Tunnelier. C'est ça le souci. Alors, attaque tunnelier, c'est un garçon d'étrempage. Ok, je passe de type O. Ça, ça va être intéressant.
Allez, le tue pas, c'est bon. C'est bon. Ça ne le tue pas, je prends des dégâts, c'est parfait. On continue le tunnelier. Par contre, si t'as que des trempages, ça va pas être cool, Kravos. Ok, c'est bon, on va pouvoir lancer la balle. On espère que la tempête de sable ne tuera pas. Alors, balle... Ah ben, super balle. Allez, c'est parti, let's go, on essaye. Ça devrait rentrer. Le Kravos qui rentrerait dans la place. Attention. 1, 2, 3. Non ! Ah, le vilain, zone étrange. Ça inverse les stats, je crois. Ouais, c'est ça. Et allez, rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Hop, dernier objet utilisé, c'est parti. On y croit. Attention. 1, 2, dress. Oui, c'est bon. On a le Kravos, les amis. Et ça, c'est super génialissime, cool. Donc, je regarde bien pour le nom, mais on va aussi découvrir son type. Il est de type Spectreo. Oh, intéressant. J'espère que ses attaques vont être intéressantes aussi. Donner un surnom au Kravos capturé. Oui. Alors, on va l'appeler Tekiro. Donc, ça a été une de mes demandes dans les commentaires. Et voilà, je te fais honneur de ce petit Kravos Spectreo. Alors, on va voir quand même ce qu'il a d'intéressant. Donc, oui, on sait qu'il a zone étrange et des trempages. Résumé. Alors, Tekiro, il a zone étrange, des trempages, écho et balombre. Ah, ça au moins, c'est sur son stab. Ensuite, bon, écho, c'est pas ouf. Il est bené. Oh, Capspé, ouais, bon, c'est sympa. C'est encore un Pokémon évolué, malheureusement. Hop. Mais on fera avec. Alors, je crois qu'on se rechoppe un combat double. Non, c'est bon, l'esquive. Et du coup, nouvelle. Ah non. Nouveau Pokémon. Alors. Oh, on esquive quand même le petit chenipote. Hein. Lui, il s'est perdu dans le désert. Je sais pas pourquoi. Ouais, on fuit. On aurait pu avoir un chenipote. D'ailleurs, en y pensant, j'ai pas du tout. Ok, il allait à boire. Il veut pas que. Ok, il a piège, le petit con. Allez, tunnelier. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je n'ai pas fouiné la zone de Volucité. Et je sais qu'il y a plein de CT à récupérer dedans. Donc, je le ferai en off pour l'épisode de dimanche, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Sans un point d'expérience. Bon, le tunnelier aurait one shot. De toute façon, donc pas trop de regrets. Allez, c'est parti. Donc, nous allons avoir quoi dans cette partie-là? Désert des Lassans. Donc on est toujours dans la même zone que tout à l'heure. On a une infirmière qui peut nous soigner. Donc on va l'affronter elle par contre. Je suis dresseur avant d'être infirmière. Je meurs d'envie de faire un combat. En gros c'est le respawn de quand t'as le centre Pokémon interdit, tu iras voir cette infirmière là. Alors Pomodo, un Kangorex, très bien. Ah, notre petite Pouquette qui est très en forme. Allez, c'est parti pour tunnelier. Est-ce que ça va, Wash Octazooka? Bon, ça va. Allez, allez. Oh, c'est pas très efficace, tunnelier. Ok. On va switch. Alors, sachant qu'il a Octazooka, donc Pokémon. Donc, on ne va pas envoyer... si, on va pas envoyer Rasta Rocket, mais on va envoyer My Mario. My Mario qui va exploser tout. Enfin, j'espère. On est de nouveau à 4 Pokémon quand même, ça c'est bien. Octazooka, ok, ça bouge pas. Coup critique. Ah oui. Ah oh, putain, perd de la précision. Alors c'est parti, attaque du coup. Feu glacé, tiens. Allez, une attaque en deux tours. À moins qu'on se prenne une grosse attaque. Donc c'est Echo, je crois, j'ai pas fait gaffe. Ouah. Ah, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, mais ça va, on le tient bien. Allez, c'est parti pour le feu glacé, est-ce que ça va one shot? Il envoie du lourd le My Mario quand même. Ah oui, c'est super efficace. Ok, 500 points d'expérience pour les deux, et on a battu Mademoiselle l'infirmière Pomoro. J'étais trop impatiente. Ah bah oui, putain, on a plein d'argent, ça c'est cool par contre, les amis. Ah. On se sent mieux, on se sent soigné. Alors, c'est parti, on avance. Ok, on a un ranger. On va essayer de l'esquiver. Enfin, je crois.
Oh putain, je m'en rappelle ça. Je me suis retrouvé perdu dans ce... dans cette séquence-là la première fois que j'y ai joué. Voyons voir si ça va être toujours le cas. Je crois qu'il... Non, attends, hop. C'est pas... Il nous a pas vu. Il nous a pas vu. On fait de la mission esquive et je crois qu'on a un truc par là. Non, c'est pas par ici. On a une Pokéball par terre. Hop, on va la choper. Une Poképoupée. Mais c'est génialissimement nul. Ok, on avance, 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 on avance. Encore un objet ici. Et un joyau acier. Oui, ça c'est un peu mieux. Du coup... Ah, si, on a une zone là. Une zone à cryptéro généralement. Mais là, ça sera pas un cryptéro que nous allons avoir là. C'est le château Infeui. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai compris deux choses à propos des sables mouvants. Si tu tentes de les traverser par le milieu, tu tomberas au niveau inférieur. Si tu cours dedans, ils t'engloutiront à tous les coups. Ah oui. Ah merde, merde, merde. Shit. Bon, c'est pas grave. On a un objet qui doit traîner dans le coin, il me semble. Alors, on a des dresseurs qui sont par là, bien sûr. Hop. Hop, tu nous vois pas. On ressort là-haut. Je sais qu'il y a un Pokémon de zone qui s'y trame. Et pas les bus, bien sûr. Hop, voilà. C'est comme ça qu'on esquive. On esquive aussi le dresseur, ça c'est super. Du coup, on se retrouve nez à nez avec un dresseur. Ça, c'est génial. Hop. Ah merde. J'ai voulu l'esquiver, j'ai pas réussi. Rien qu'en restant ici, on sent une force mystérieuse dans l'air. Mais bien sûr que oui. Alors dis-moi tout, jeune kinésiste Montserrat, qui a un seul Pokémon uniquement. Oh, tu es dans ton style. Très bien, niveau 24. Le level monte petit à petit. Mais ça va encore. Du coup, bah, tu n'es lié. Chantique. Ça devrait passer logiquement. Ouais, ça passe très calmement. Le tunnelier, ça défonce tout. C'est abusé, allez. Nous refait un champ antique, ça va. Ils sont tous objets choix, en fait. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il avait un objet, le Krabos, tiens. Ok, Mélancolux et Keho. 826, allez. Niveau 28, ça c'est parfait pour Phuket. Et c'est tout, Montserrat et KO. Alors... L'objet qui est là, c'est un... Cogno bidon. Oh, l'attaque suicide. Oh, remarque combo. Cogno bidon plus Icoque, c'est sympa. Cependant, quand on est lent, c'est pas terrible. Bon, je veux un petit Pokémon, il y en a pas là dans cette zone? Bon, allez, on retombe dans le sable. Je sais plus ce qu'il faut faire là-dedans. Là, on va tomber sur le deuxième tas de sable. Ouais, c'est ça. Ah, merde. Bon. Quand je viens ici, je me sens veillé de tristesse. J'aimerais t'affronter. Ah ouais, quand t'es triste, toi, t'affrontes des gens. Kinésiste Lao, qui m'envoie un lipouti. Oh, lipiti-piti. Oh, lipiti-piti-piti. Oh, lipiti-piti. Bon, point de vue physique, c'est déjà plié, il écrase, il englobe, et hop, c'est super efficace, coup critique, lipoutique. Phuket est trop pété. C'est trop pété, en plus avec joli sourire, il peut faire des dégâts, c'est ça le pire. Allez, un petit Pokémon, allez, un Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ah, le Pokémon du château Infeui sera un... Ah, Meditica, niveau 19. Intéressant. On va essayer de ne point le tuer. Donc on va faire le Pokémon et Tikiru. Meditica, ça peut être intéressant. La première arrivée au combat pour Tikiru. Voilà, qui va nous aider à capturer ce Meditica. Miroitir. Enfin, j'espère. Oh, ça va. On encaisse bien, c'est pas très efficace. Du coup. Petit ballon ombre stabé. Ça peut faire du bien, comme ça peut faire très mal. Et... Non, ça va. Oh, ça va. Il a méga sensu. Aïe, ça va faire mal, ça, par contre. Bon, ça va. Ça va, ça va. Je l'encaisse bien. Allez, rebelle à l'ombre. Le petit crit, là, ça ferait bien. Par contre, je vais me bouffer un méga sensu, donc ça, c'est dommage. Miroir, tiens. Ah,
C'est bon, on va switcher, on va switcher. On va envoyer Rasta Rocket. On envoie Rasta Rocket cette fois-ci Pokémon. Rasta Rocket, let's go! On est à plus ou moins 17-18 minutes de vidéo. On n'a pas fait grand-chose, on tourne en rond. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Capture des Pokémon, déjà ça c'est déjà pas mal. Allez, soc! Enfin, capture. C'est vite dit! Utilisez Let's Go! Allez! Mais Diticker, rentre dans cette Super Bowl, s'il te plaît, et sois le cinquième compagnon. Putain, on aurait pu en avoir 6 si Kroki n'était pas mort. Catcha! Yeah! Alors, comment on va l'appeler? Alors, il est Volsol. Ok. Pourquoi pas? Voilà, on va l'appeler Fenchui. D'ailleurs, je crois pas que ça s'écrive comme ça, mais bon, ça sonne bien. On va voir tout de suite ce petit Fenchui, ce qu'il a d'intéressant. Résumé, il est donc niveau 17 déjà. Donc de type vol sol, très bien. Avec acide, méga sensu, miroir tir et affûtage, il a paratonnerre. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et oui, c'est très bien, car en plus, je ne crains pas l'électricité avec mon stab sol. Et, qui plus est, j'étais fatal sur... Bon, c'est bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Oh, un Pokémon. Un Pokémon qui est un Paras. Je suis un Parasect. Manipulé par une secte. Allez, on fuit. J'adore cette chanson de Deolink, pas vous? Donc au passage, oui, Deolink est un de mes YouTubeurs à préférer. D'où ces voix bizarres que j'ai de temps en temps. Et... Allez, c'est parti, on fuit. Par contre, t'es tellement lent, Pouquette, que... On ne peut pas fuir avec toi. Bon, allez, Pouquette, tu l'achèves. Point, c'est tout. Allez, au fond du fun, tu n'es nié. 20 petits points. En fait, il me fait des fistes, le gars. Normal. Allez, tunnelier, 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 tunnelier. Non, ok. On prend des dégâts. Putain. Du coup, tunnelier, encore une fois. 20 petits points. Très bien. J'adore tourner en rond. Ça y est, il est mort. Point, point. Non! 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 L'enfoiré! Putain! On vient de perdre Pouquette à cause de l'ultra-règle. Ah, les boules! En plus, elle... du coup... Merde. Bon, Pouquette ne va pas attaquer sur ce... Sur ces tours-là. Putain, on perd Pouquette. Non! Attaque. Putain, j'ai rien en plus. On va faire aiguisage, mais ça sert à rien. Bon, tue-le-moi vite, s'il te plaît. Ok, on va switch. On va switch, ça sert à rien. Ça, il va mettre diplôme à me tuer. Ah, les boules! Ah, je suis dégoûté! Ah, la règle fatale! Eh, My Mario! Ah, les boules! Vous pouvez pas imaginer! Allez, lance-flamme! Un Wistikram câble lance-flamme normal. Du coup, allez, attaque. On va faire éruption. Voilà, t'es pas de type feu. Tu vas prendre masse dégâts. Ça va faire très mal pour toi. Ok, logique.
Mais vous avez fini, oui? Un qui me burn, l'autre qui me... Bon, ça va, c'est pas brûlure mortelle, mais bon, j'ai un peu les boules. Du coup... On va retourner voir l'infirmière. On va s'arrêter là, les amis. Donc, Pouquet, ordre. Et Keo, voilà. Et ça, ordre. Non, on va mettre Star Rocket devant, du coup. Putain, on perd deux Pokémon dans cet épisode. C'est triste. On est de nouveau à 4. Un légendaire. Victini! On aurait pu avoir un Victini! Mais t'es sérieux? Allez, Draco Météor. Pas de cadeau pour le Victini. Là, on a la rage. Voilà! Le coup critique. Victini et KO, allez, Mass XP s'il te plaît au moins. 595, bon, c'est pas mal. Bonjour infirmière, je vais m'occuper de ton équipe, fais-moi confiance. Eh bien on va s'arrêter là les amis, ça fait 23 minutes et des poussières qu'on tourne. On va tourner l'ultra roue pour supprimer cette règle de caca. Et on se retrouve donc tout de suite, soyez sages. Allez c'est parti donc pour l'ultra roue du lag de la mort. Car du moment que je vais tourner cette roue, ça va encore laguer dans tous les sens. Je suis désolé par rapport à ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé à la faire tourner pendant que je continue à parler, bien sûr. Et nous allons avoir quoi comme nouvelle règle? Parce que là, j'ai peur. Le poison nous a fait très, très, très mal en cette fin d'épisode. Et nous allons avoir quoi? Oui! Oui, 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 oui! Ressusciter un Pokémon! Putain, qui est-ce que je vais ressusciter? Croqui Junior? Pouquet? J'ai l'Ammonita. Oh, ça c'est ouf. Ça c'est ouf, ça c'est ouf. Vous aurez la surprise. Vous aurez la surprise et du coup, ouais, je vais même mettre un petit vote. Voilà, en haut à gauche. Mais vous allez avoir la surprise au pire. Et selon les votes, ben, je verrai bien. Donc, voilà les amis, on peut ressusciter un Pokémon. Et ça c'est cool. Mais je ne sais pas encore trop lequel ressusciter parce qu'on a énormément de choix. Enfin, 4. Mais voilà, on a autant de morts que de vivants. Vive le ratio. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. On n'a pas fait grand-chose. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Pour le prochain épisode, je vais donc fouiner Volucité. Je vais ressusciter ce Pokémon. Je ne sais pas encore lequel, mais le Pokémon, voilà. Et sur ce, donc n'hésite pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve donc dimanche durant le live de Désiré, car l'épisode devrait sortir à ce moment-là. Et sur ce, les amis, peace !